هذا واستقبل مساء اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الخارجية والتعاون الكونغولي جاد كلود جاكوسو انبعوث الرئيس الكونغولي دونيس ساسو ناغيسو. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن الوزير الكونغولي حمل رسالة لرئيس تبون من نظيره الكونغولي بصفته رئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الافريقي حول ليبيا. وكان الوزير الكونغولي قد وصل إلى الجزائر عصر اليوم، وكان في استقباله بمطار الجزائر الدولي وزير الخارجية صبري بوغادوم وكاتب الدولة المكلف بالجالية والكفاءات بالخارج رشيد بلدهان. J'étais porteur d'un message de son excellence monsieur Denis Sassou Nguesso à son frère et ami monsieur le président de la République Tebboune au sujet de la Libye, au sujet de l'aggravation de la situation en Libye. Le président Denis Sassou Nguesso, comme vous le savez, préside depuis quelques années le comité de haut niveau que l'Union africaine a mis sur pied dans la gestion de ce dossier libyen. Et au regard de la gravité de la situation qui prévaut aujourd'hui sur le terrain, eh bien, le président Sassou Nguesso invite à Brazzaville les chefs d'État membres de ce comité à se joindre à lui pour réfléchir sur les voies et moyens de prendre une position commune africaine, d'empêcher la dégradation de la situation, de tout faire pour que les Libyens reviennent au bon sentiment, au bon sens, et reprennent le chemin de la fraternité. Parce que le projet de l'Union africaine, du comité de haut niveau de l'Union africaine, c'est d'amener les Libyens à une conférence de réconciliation avant d'envisager tout processus électoral. Et donc voilà l'objet essentiel de l'audience dont Son Excellence m'a fait l'honneur cet après-midi ici à Alger. Merci infiniment.